J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 7 du calendrier de l'Avent Makeup Révolution. On va découvrir ensemble ce qui se cache derrière cette case et ce qu'on peut en faire. Petit aparté, vous avez certainement remarqué que je suis comme hier. Effectivement, c'est une soirée solo ce soir. J'ai pas mon fils, mon mari travaille en bas, du coup je fais une soirée tournage vidéo, donc je vais faire plusieurs cases. Donc vous allez me voir toujours avec le même maquillage et la même tenue pendant plusieurs jours, mais voilà, j'en profite pour prendre de l'avance sur les vidéos pour être sûre de pas être en retard au niveau des vidéos, parce que là si je me plante dans le tournage des vidéos, je risque de pas pouvoir vous donner les vidéos au jour le jour et ça m'embêterait beaucoup. Voilà, je serai comme ça pendant plusieurs jours. Donc voyons voir ce qui se cache derrière la case numéro 7. Elle se situe ici et donc nous avons un gloss à lèvres transparent. Donc c'est quand même un grand format. Il n'y a pas de doute, c'est bien un gloss, il est très brillant. Il est assez onctueux, il colle pas trop, un peu épais, pas de goût particulier, limite un goût un peu dégueu. Ouais, le goût il est pas top, mais il fait le boulot, il est bien brillant, donc c'est un beau gloss. Voilà pour la case numéro 7, on se retrouve demain pour la case numéro 8. Je suis désolée, en ce moment c'est des vidéos assez courtes parce que c'est des produits qui sont vraiment basiques, donc j'ai pas trop d'explications à vous donner sur ces produits, mais je sais que ça va évoluer au fur et à mesure des jours. Donc on se retrouve demain, ciao !